Donc, pour la démonstration de l'utilisation de la croûteuse, je vais utiliser ma croûteuse personnelle, donc qui est déjà un petit peu plus sale. J'ai enlevé la plaque de 6 mm et je commence par écraser ma terre avec la plaque de 15 mm. Donc, la première chose à faire, c'est de talquer la plaque pour éviter que la terre ne colle dessus. Ensuite, j'ai préparé ma terre, j'ai déjà donné un peu la forme, je la pose sur la plaque. Je vais poser dessus la nappe, donc je la fais passer sous le rouleau. Voilà, je la centre bien pour éviter qu'elle se bloque. Ensuite, il suffit de tourner la manivelle en retenant un peu pour écraser la plaque de terre. Nous aurons de cette façon une première épaisseur de terre. On a 27 de disponible, donc 15 moins 27, il reste 10 mm à peu près d'épaisseur. Ensuite, je pose ma plaque sur la deuxième plaque. Voilà. Je n'oublie pas de talquer un petit peu pour éviter que ça colle. Et de la même façon, je repose mon morceau de nappe dessus. C'est tout. Voilà. Et on remet un petit coup de rouleau qui va être beaucoup plus facile que le premier. Et voilà ma plaque. Et donc là, avec 6 mm, on a à peu près une plaque qui fait 5 mm d'épaisseur.